Depuis toujours, l'eau est essentielle à l'homme, mais cette ressource si précieuse est souvent méconnue. Pour mieux comprendre tout l'enjeu de celle-ci, nous allons nous intéresser à l'Escaut, un fleuve transfrontalier canalisé de Cambrai à la frontière belge, véritable autoroute fluviale entre Anvers, Valenciennes et la région parisienne. La première question que l'on peut se poser, d'où provient l'eau que je consomme ? L'eau potable est uniquement pompée dans les nappes phréatiques, même si sur le territoire, les prélèvements se font aussi bien en eau superficielle qu'en eau souterraine pour les usages agricoles ou industriels. L'eau est gratuite, alors pourquoi dois-je payer une facture ? Pour que l'eau puisse arriver jusqu'à notre robinet, plusieurs étapes sont indispensables. Elle doit être, pour le territoire de l'Escaut, pompée puis acheminée et enfin nettoyée avant de pouvoir être consommée. Et toutes ces étapes ont un coût. Notre facture concerne également l'assainissement de nos eaux usées et une taxe pour protéger nos ressources en eau. Justement, dans quel état sont-elles ? Le territoire est constitué d'un réseau dense de cours d'eau, de milieux humides, forestiers et de terris. Un large éventail de paysages qui cependant est menacé. En cause notamment l'urbanisation et les pratiques agricoles. Ces différentes activités entraînent le ruissellement de l'eau qui, de cause à effet, va générer des inondations et des coulées de boue, impactant directement la qualité de nos ressources en eau. Mais alors, comment notre territoire est-il protégé ? Eh bien, il est protégé par le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il a pour but, tous les 6 ans, d'établir des objectifs pour maintenir la qualité et la quantité de l'ensemble des nappes. Par exemple, l'un des objectifs d'ici à 2027 est d'améliorer la qualité des eaux superficielles grâce notamment à la gestion des eaux pluviales sur la station d'épuration de Caudry. À mon échelle, comment puis-je participer à leur préservation ? C'est très simple, il suffit d'adopter de bonnes habitudes à la maison en limitant par exemple l'utilisation de produits chimiques ou en installant un dispositif pour réutiliser les eaux de pluie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une multitude d'exemples et de bons tuyaux sur le site agissonspourl'eau.fr. Alors rejoignez-nous, likez, partagez et ensemble agissons pour protéger nos ressources en eau.